Qu'est-ce qui m'a fait un croche-patte? Alors déjà, c'est pas des pattes, c'est des coquillettes. Bon, ici, vous avez un chêne qui produit des glands. Hé, Serge, c'est ici que t'es né. Ah bon? Hey, comment ça mes petites sphères, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo de ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Le Déraciné, épisode 3. Sérieusement, je crois que c'est celui qui m'a été le plus redemandé dans les commentaires. C'était un truc de ouf. En même temps, je comprends, on est obligé de rire. C'est impossible de résister. Profitez-en pour écrire dès maintenant dans les commentaires la personne que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de rire la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez un commentaire qu'on me fasse rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Bonjour. Bah, levez-vous. Eh, mais t'as cru t'étais le prophète? Tu manges quoi? T'as calvitie? Bon, c'est quoi un COD? Call of Duty. Allez, tu sais qui c'est, Voltaire? Bah ouais, c'est une station de métro. Tu prends la porte. Ok, Zubi. Je suis pas là pour faire la police. Tu fais quoi? Bah, je prends la porte. Bonjour, police. Je me suis pété la jambe. Ah bah, ça tombe bien, j'ai un CAP cuisine. C'est quoi le rapport? Bah, je vais m'occuper d'un poulet. Bon, c'est quoi ton pronostic? Bah, victoire du PSG. Par contre, va me falloir une prothèse. Pourquoi? Bah, je vais pas marcher qu'avec une seule jambe. Mais quel fainéasse! Oh, rassure-moi, c'est pas toi qui va m'opérer. Ah bah non, c'est lui. Eh, c'est qui le président de la Russie? Mohamed. Ok, et ça c'est quoi comme pays? Les Arabes Unis. Ça va, je vous fais pas ch***? Bah si, un peu. Eh, tes cheveux, ils font Koh-Lanta? Pourquoi? Parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Et voilà, j'ai fini ma carte. Mais pourquoi t'as collé des bonhommes? Ah mais c'est pas une carte Fortnite. Je suis bête. Bon, on va commencer l'entretien. Vas-y, bouge. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Bah j'étais aux chiottes. Non mais, est-ce que vous avez de l'expérience? Bah ouais, j'ai fait top 1 sur Fortnite. Et est-ce que vous avez un tempérament de leader? Non mais je vais souvent chez Leader Price. Et qu'attendez-vous de ce job? Bah, qu'on me paye. Et est-ce que vous êtes flexible? Ah ouais, je sais faire grand écart. Non mais, est-ce que vous savez parler plusieurs langues? Ouais, l'anglais. So, what is the date today? Yes, Brian is in the kitchen. Bon, je vois que vous avez apporté tous les documents. Ouais. Papier. Ciseaux. J'ai gagné. Si je vous embauche, vous allez bien vous comporter? Oh ouais. Jurez. Jurez craché. Désolé. On vous rappellera. D'accord. Mais pourquoi on chuchote? Je ne sais pas. Bonjour, je suis le prof de maths de Jean-Kevin. On vous a reconnu à l'odeur. À cause de votre fils, personne n'écoute en cours. T'es prof de maths, mais personne ne te calcule. Mais il a combien de moyenne? 3. Ouais. Pourquoi t'es content? Je pensais que j'aurais 2. Oula. Je suis pas si con que ça finalement. Non mais attendez, il est débile votre fils, regardez. Tu connais le théorème de Pythagore? Et toi, tu connais le théorème de la douche? Regarde, tu prends la savonnette et tu frottes. T'es viré. Reverse. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce prof qui a une hygiène douteuse. Bon, quand est-ce que vous allez bosser? Et toi, quand est-ce que tu vas te laver? Tu peux arrêter de balancer des boules puantes? Bah quoi? Je balance tes petits frères. Allez, vous êtes tous punis. Pas pitié, pas une heure de glu. Non, de colle. Ouais, mais c'est pareil! Et en plus, au dernier contrôle, ça fait hors-sujet complet! Bah, c'était sur quoi? L'Odyssée d'Homère! Ah, bah, fallait dire que c'était sur les Simpsons! Oh, pinaise! Il y a des pancakes! Allez, vas-y, vas-y, en braille! Bah, t'as calé! Putain, mais c'est trop dur! C'est plus facile de faire la vaisselle, hein! T'as même pas tenu 10 secondes! Ça me rappelle quelqu'un? Eh, papa, t'es claqué! Attention, on se fait! Oh là, je crois que j'ai écrasé le chien! Mais on n'a pas de chien! Bah si, il y avait une queue qui dépassait! Jean-Kevin! Putain, on peut pas pucer en paix! Comment ça, mon ref? Hey, Anama! Oumadoumaka! Bagataba! Eh! C'était quoi ce bruit? J'en sais rien! Non mais gros, arrête tes salades! En tout cas, ça a pas l'odeur de la salade! Putain, mais comment tu fais ton truc? Ça marche avec des piles? Et si je pétais à côté du feu? Non, non, attends! Hey, je peux faire mes tractions? Attends, je finis ma série. Ah, trop cool! Moi, je regarde Breaking Bad! Ouah, c'est trop dur! T'as qu'à t'acheter des muscles. Et toi, des chevaux? Eh, hey, vous avez vu le match Baki Doumbé?
Hey, Doumbé, au lieu de prendre une ambulance, il aurait dû prendre une pince à épiler. Quelqu'un a une technique pour faire courir Mohamed? Hey, Mohamed, y'a les keufs. Bah, ça y est, monsieur, il court. Va vraiment falloir que t'arrêtes, hein. Ça se fait pas. Ah là là, c'est haut. Allez, continue de grimper. Mais il a cru que j'étais un macaque. C'est pas très sportif, tout ça. Mais toi, par mettre un jogging, tu fais quoi de sportif? Bon, Jean-Kevin, tu descends. Mélanie, tu me passes ton snap. Mais ta gueule. Hey, monsieur, regardez, je vais faire voler votre telle. Non, non, t'en fais pas ça. Mais t'es quoi? Ça vole pas un téléphone? Bah, il sert à quoi, le mode avion? Mon téléphone. Eh, le téléphone, c'est comme tes cheveux. T'en as plus, tocard. Le contrôle commence. Bon, en l'an 340 avant JC. Mais c'est qui JC? Jean-Claude. Allez, t'as triché, c'est zéro. Oh, trop bien, ma moyenne va augmenter. Et en plus, t'as même pas écrit la date. Mais t'as cru que j'étais le calendrier? Et toi, pourquoi tu regardes sous la table? Ah non, mais j'ai mes cacahuètes qui me grattent. Eh, je pensais que j'étais la seule. Salut, bonsoir, c'est Polo. Je vais vous rendre vos copies. Victoire. Bon, bah zéro. Eh, Victoire, ta note, c'est une défaite. T'es au courant que t'as raté le contrôle? Ça veut dire que t'as raté mon enseignement. Et tes parents, ton éducation. Bah les tiens aussi, vu comment tu me parles. Eh, je suis prof, c'est ce que ça veut dire? Que tu gagnes le SMIC? Non, mais tu veux pas prendre d'exemple sur sur Serge? Serge, le mec qui renifle CP. C'est moi. Bah je sais pas, Serge, tu veux faire quoi plus tard? Bah moi je veux devenir astronaute, pour rejoindre ma maman qui est au ciel. Non, je déconne, c'est pour plus voir ta gueule. Non, là par contre ça se fait pas. Monsieur, je condamne ces propos. Oh là là, mais c'est quoi ce sandwich? Mais ton sandwich, il est sponsor par la CAF? Qu'est-ce qui m'a fait un croche-pâte? Alors déjà, c'est pas des pâtes, c'est des coquillettes. Bon, ici, vous avez un chêne qui produit des glands. Hé, hey, Serge, c'est ici que t'es né. Ah bon? Waouh, wow, elle est pas mal celle-là. Waouh, ça commence à devenir trop dur. Qu'est-ce qui m'a fait un croche-pâte? Alors déjà, c'est pas des pâtes, c'est des coquillettes. Bon, ici, vous avez un chêne qui produit des glands. Hé, hey, Serge, c'est ici que t'es né. Ah bon? Oh là là, j'ai mal aux pieds. Moi aussi. Hein, vous avez des ampoules aux pieds? C'est plus des ampoules que j'ai, c'est des lampadaires. Hein, ça s'allume? Wow. Que voulait dire Baudelaire dans la phrase « Il fait beau aujourd'hui » ? Bah, qu'il faisait beau. Mais non, Baudelaire, il utilise une hyperbole et une pokéball pour montrer sa dépression et son amour du cinéma. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Baudelaire? Pourquoi t'inventes des trucs? Mais non, mais j'adore analyser. Tu veux analyser quelque chose? Ah ouais. Analyse ta calvitie. Hein? Il a utilisé une métaphore. Hé, Baudelaire. Ouais. C'est quoi ton pseudo Fortnite? Allez, c'est parti pour la dictée. C'est grave si on fait des fautes? Maître Gobot, ça sonne un peu pas chouette. Oh, déjà deuxième rire. Comment il a récité la dictée hyper vite? C'était trop drôle. Allez, c'est parti pour la dictée. C'est grave si on fait des fautes? Maître Gobot, ça sonne un peu pas chouette. Wow. T'as cru que t'étais Eminem? Ah, vous avez des nems? Serge, tu checkes ta copie? Wesh, la copie, tranquille. Et pourquoi t'as rien écrit de la dictée? Ah, mais je croyais que vous parliez tout seul. Tu notes tout ce que je dis? Tu notes tout ce que je dis. Mais t'es con ou quoi? Mais t'es con ou quoi? Oh, Serge! Oh, Serge! Ah, y'a mon prénom dans la dictée? Mitan mes sphères, j'ai rigolé deux fois. Wow, en même temps, c'était trop chaud là. Et encore, j'ai failli rire au moment du téléphone avec le mode avion. Quand elle le jette en l'air, c'était trop drôle. Et vous, mes sphères, qu'est-ce que ça vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Allez, allez, mettez les gaz! T'arrêtes de péter? Mais vous avez dit de mettre les gaz! Vas-y, envoie la balle, je suis tout seul! Mais je sais que t'es tout seul, t'as pas d'amis. Oh là là, coup dur pour le joueur franco-français. Allez, tire! Piou, piou! Avec le pied! Ah. Et c'est un fail. C'est un peu comme ta naissance. Répète ça pour voir! Hé hey, les mecs, c'est la première fois que je vois un prof DPS courir! Pourquoi tu fais pas le contrôle? Aujourd'hui, y'a ma grand-mère qui passe sur le billard. Bah moi, je préfère le baby-foot. Hé hey, Mélanie, t'es toujours célibataire? Oui. Bah ça m'étonne pas. Mais monsieur, Jean-Kevin, il me cherche! Bah logique, t'as vu ta taille? Ah, c'est ciao! Mais je comprends rien au contrôle de maths! Bah c'est normal, t'as oublié ta laisse. De quoi ta laisse? Elle est là, ma laisse! Attention! C'était quoi ce bruit? On a heurté un gros caillou tout froid! Le bateau coule!
Ouais, salut la team, à 10 000 likes, on saute dans l'eau. Allez bonhomme, tu sais nager? Alors oui, mais pas dans l'eau. Monsieur Zemmour, sautez. Hop, 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 on est dans quel océan? La mer Noire. Jamais de la vie, je saute. Non mais il est fou ce mec. Et t'es qui, toi? Ouais, c'est Greg. Bon, on va cuisiner des moules. Mélanie, t'es dispensée? Eh, pourquoi? Bah t'en as déjà une de moule. Allez, vous me dressez les assiettes. Assis, pas bouger. C'est bien. Mais non, mais... Tiens, une friandise. Est-ce que tu peux au moins monter les blancs en neige? Mais j'ai pas de neige. Jean-Kevin, tu peux faire revenir les lardons? Bouge pas, j'appelle mes ex. C'est bon, j'ai trouvé de la neige. Mais c'est de la terre? Ah putain, je suis trop con. Et nous voici dans la piscine. Est-ce que l'eau, ça mouille? Vous attendez quoi pour vous baigner? Mais j'ai peur des requins. Mais t'as cru que c'était un océan? Bah ouais, regardez, il y a une baleine dans l'eau. Tu te crois drôle? Salut Minette. Au secours, je bois la tasse. Bah moi, je bois un milkshake. Oh, moi aussi. Et sinon, vous comptez m'aider? Non. Force à toi, mon ref. Je vais vous donner vos contrôles surprises. Ouais, un Tinder surprise. Contrôle surprise. Alice, 2. C'est pas le pays des merveilles, ta copie. Sacha, 4. La prochaine fois, laisse tes Pokémon faire le contrôle. Théo, 1. Théo, chômage. Bruh. Et Jean-Kevin, 20. Bah, heureusement que je suis là, les mecs. 20 fautes. En gros, t'as 0. Allez, karma. C'est qui, karma? Quand tu visites une maison avec tes enfants. Alors, juste ici, vous avez le salon avec la cheminée. Allez, mémé, file. Putain, Jean-Kevin. Pourquoi il y a une serviette hygiénique sur le mur? Mais non, mais c'est le drapeau du Japon. Ah bon? Et pour la cuisine, est-ce que vous aimez les fruits de mer? Non, c'est dégueulasse. Alors pourquoi tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais lui bouffer la moule? Mémé, tu m'entends? Par contre, 800 000 euros, c'est trop cher. Après, c'est la maison de American Pie. American Pie? Oui. La chambre de la maman de Stifler. Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? Quand tu vas manger dans un restaurant douteux. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez du bœuf? Bah si tu veux du bœuf, y'a ta mère. Wesh, elle est comment votre viande? Saignante. Comment ça saignante? Genre la viande, elle a ses règles? Ah mais ta gueule, j'ai envie de faire pipi. Les chiottes sont là-bas. Ah non mais c'est pas la peine, dans ce sachet y'a un petit sac poubelle pour faire pipi. C'est pas fait pour ça. Mais tu m'as dit que c'était pour se vider. Ah, coucou le keuf, on est les stagiaires. Attends, je m'enlève un petit bout de peau. Ça me rappelle ma circoncision. Oh putain, t'as vu ça? Il était à combien? 150. Bon, ça me rappelle le nombre de fois que Game X13 s'est marié. Non, mais allez, mets les gaz. Mais j'ai pas envie de péter. Mais non, mais et puis c'est bon, laisse tomber, maintenant il est trop loin. Ouais, on va rien faire. Comme les écoles quand il y a du harcèlement. Quand t'aide ton daron à bricoler. Alors, tu vois quelque chose, papa? RAS! Ça veut dire quoi, RAS? Rien à sucer? J'en ai vraiment plein le cul! Bah, serre les fesses. Amenez-moi un serre-joint! Ah non, mais on fume pas. Dépêche-toi! Mais pourquoi t'es aussi pressé? Parce qu'après, faut que j'aille acheter un pendentif à votre mère. Mais ça sert à rien, elle a déjà de gros trucs qui pendent. Les livreurs Chronopost avec nos colis. Allez, vas-y, gros! Faire! Oh, but! Attends, rassure-moi, il y avait écrit fragile sur le colis. Bah, bien évidemment! Ouais, excellent! Mais votre taf, c'est pas de livrer des colis? Ah non, t'as pas compris? On dépose pas des colis, mais des avis de passage. Mais vous me donnez envie de vomir. Vu ton poids, ça te ferait du bien? Allez, on cherche ça dans le camion. L'installateur de fibres, beaucoup trop à l'aise. La vie de ma mère, il tue la maison. Et franchement, rouillard respect, hein, vous avez géré ça. Bon, écoute, t'es ici pour installer la fibre, pas pour gober des chibres. Donc tu prends tes câbles de merde et tu bosses. Mais tranquille, gros, pourquoi t'es aussi tendu? Mais tu vois pas que ma grand-mère, elle est mourante? Bah, t'as essayé de la débrancher, de la rebrancher? Mais t'as cru que c'était une putain de lightbox? Bah, je sais pas, gros, je propose. Et voilà, chantier fini. Super, maintenant casse-toi. Attends, c'est ta mère que je vois là-bas, là. Oh, là, là. Bah, ouais. Bouge pas, je vais attaquer le deuxième chantier de la journée. Touche pas à la daronne. Quand tu visites le château de Versailles en famille. Putain, y'a que des vieux, c'est un château ou un EHPAD? Ah non, mais moi j'adore ce mélange de moderne dans de l'ancien. Comme Macron dans Brigitte. Putain, Jean-Kevin, je vais te démarrer. Mais tu m'as pris pour une Peugeot? Attendez, fermez vos gueules et regardez! Mais tu veux quoi, meuf? Voici le trône! Et il est où le PQ? Viens, c'est toi! Viens là!
les mamans comptaient en train de te doucher. Maman ! Oh mais c'est bon, je suis ta mère. Vas-y, pars, s'il te plaît. Non, non, tu sors de la douche, tu vas me vider le tumulus. Bah attends, je cache ma saucisse. Avec toi, on est plus proche de la knacky que de la saucisse. Ça veut dire quoi, ça? Bah tes testicules, c'est des miel pops, voilà. Oui, et tes nichons qui ressemblent à des fraises tagada, on en parle? Chérie! Mais comment tu parles de ta mère? Quand tu assistes à un enterrement. Oh Bernadette, tu étais championne de plongée sous-marine. Ah bah là au moins, elle va battre son record d'apnée. Oh Seigneur, nous t'envoyons, Bernadette! Et faites gaffe, elle est un peu lourde! Mais Jean-Kevin! Non mais en fait, Seigneur, je vous conseille de lui mettre un petit jetpack, parce que sinon, dans une semaine, on y sera encore! Mais il se passe quoi, là? Eh bah Bernadette, elle est en train de dormir. Putain, mais elle abuse! Et moi, quand je fais la grasse mat, on vient me saouler! Non, t'as pas compris. Elle est partie? C'est ça. Dis, Siri, comment touche l'héritage? Bon, Jean-Kevin, appelle Free, la Xbox, elle marche pas. Bah attends, ça fait une heure, ils m'ont mis en attente. Free, bonjour, quelle est la question de l'objet de votre appel? Ouais, c'est pour résilier notre abonnement. Vous avez essayé de rallumer la box? Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que vous avez essayé de rallumer la box? Non mais y'a du monde sous la caboche, on veut annuler notre abonnement. Je crois qu'il a compris, là. Très bien, nous allons augmenter votre abonnement. Je vais péter un câble. Putain, non mais c'est pas possible, toi, t'as pas eu ton bac? Ah si, j'ai eu mon bac. J'ai le bac à fromage, le bac à légumes. Bon, Jean-Kevin, raccroche. Attends, mon téléphone, il marche pas. Et vous avez essayé de le faire courir? Putain, mais Free, c'est la seule connexion où t'es pas connecté. Ah bah c'est normal, c'est payant. Non mais chez vous, y'a rien de gratuit. Exactement. Bah alors pourquoi vous vous appelez Free? Bien dit. Hein? Free, ça veut dire gratuit en français. J'ai un double appel. Il a raccroché. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé deux fois. Et sur la fin c'était trop chaud. J'aime pas comment j'ai fait pour résister. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle personne vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sphères.